Alors, Philippe, puisqu'on parle de l'échangeur Turcot, je pense qu'on nous a envoyé des images là, assez intéressantes. Oui, c'est le photographe Jean-Pierre Lavoie qui nous a proposé ça sur notre page Facebook. Il a pris une image à 360 degrés de l'échangeur Turcot. C'est avec un appareil spécial qu'on peut faire ça. Et puis ça donne des images d'une très, très grande qualité. Alors, on peut vraiment faire le tour de l'échangeur Turcot. On peut cliquer sur des images et avoir des gros plans de l'effritement du béton à certains endroits. Des images qui peuvent être spectaculaire là, comme ça. Ou inquiétante. On nous a déjà dit, oui, que c'était pas le signe des problèmes de l'échangeur, même si en apparence ça peut le sembler, mais que les problèmes sont peut-être plus graves, mais que ce ne sont pas des signes des problèmes. Mais bref, ça vous permet de faire cette visite-là à 360 degrés de l'échangeur Turcot. Et si je vous amène plus rapidement, vous voyez, ça peut même donner le tournis. Et si vous allez voir le site de M. Lavoie, il y a des photos comme ça d'un peu partout dans le monde. C'est assez fascinant de voir ça. Il y a des reportages aussi sur sa technique. Bien, merci beaucoup, Philippe. Bonsoir. Bonne soirée.